Elles sont bel et bien de retour. Quatre œuvres délicates et monumentales de la Renaissance. 7 ans de restauration minutieuse dans les mains des lissières du Crécit. Ce sont les retrouvailles avec les épisodes des tapisseries de l'histoire de Jacob. C'est vraiment 7 ans d'une vie, de recherche. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand moment d'émotion. On arrive à la concrétisation qui est en fait la plus grande des tapisseries qui s'élève pour être montrée pendant 2 mois ici au musée. Nous sommes en 1554. Cette œuvre textile est offerte par l'évêque Charles de Croy à la cathédrale de Tournai. Cette tapisserie de l'histoire de Jacob, à l'origine, se comptait en 10 pièces. Elles ont connu une histoire mouvementée. C'est la vie de Jacob, un des grands patriarches de la Bible, bon, qui a une vie absolument étonnante. Depuis le premier épisode où il vole en fait le droit d'aînesse à son frère Ésaü, jusqu'à la fin où il retrouve son fils Joseph en Égypte. Les conservatrices ont travaillé dans le respect de l'œuvre, démontrant ainsi un savoir-faire ancestral aujourd'hui unique en Belgique et désormais soutenu par la province de Hainaut. C'est une manière aussi de dire que notre institution, encore une fois, pour la région qui est la nôtre, contribue à conserver ce patrimoine textile. Je les ai vus il y a très longtemps lors de la première triennale et je me suis dit c'est le rêve d'une tournaisienne aussi de restaurer ces pièces qui étaient ignorées et qui étaient méconnues. Et nous avons aussi un devoir de pédagogie. C'est pour ça qu'il y a une de nos lissières qui sera là durant l'exposition pour montrer aux jeunes ce qu'est la tapisserie. Nous sommes les derniers en Belgique à faire de la tapisserie contemporaine, donc c'est quelque chose qui doit être valorisé. Cette œuvre monumentale sera visible jusqu'au 16 janvier au musée des Beaux-Arts de Tournai. Son exposition marque l'achèvement d'une opération matrimoniale majeure. Les tapisseries retourneront ensuite au sein de la cathédrale, où elles seront montrées par roulement. C'est donc une occasion unique de les découvrir ensemble, simultanément.